l'ai déjà dit, un téléphone portable, c'est plus pratique qu'un bat-signal dans le ciel, hein. Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de Batman. C'est un gars extraordinaire qui sauve les gens, oui. Mais imaginez un truc, si vous étiez aussi riche que Bruce Wayne, vous ferez chier à sauver les pauvres. Bah non, il y en a qui vont dire... Ses parents ont été tués par des méchants voleurs. Est-ce que les victimes de Dutroux sont parties faire Superman en Belgique? Bah non. Enfin, je crois pas. Batman veut être discret dans Gotham City et il utilise une voiture de 10 mètres de long. Normal. Nestor, je vais changer de costume. Quand j'étais jeune, Batman c'était un peu le grand justicier, hein. Mais avec le recul, quand je vois les ennemis, bof. Monsieur Pingouin, à la limite, il pourrait être le premier rôle dans Happy Feet. Le plus impressionnant, c'est Mister Freeze. Pas si furieux que ça, hein. Déjà, si j'étais Batman, je prendrais pas Robin comme coéquipier. Ce mec est pas rigoureux, il est pauvre. C'est un peu se mettre des bâtons dans les roues. Viens, Jean! T'es où, Batman, là, ou là? T'es où? Ah, bonjour! Une bière, s'il vous plaît! Déjà, si j'étais Batman, je casserais la gueule aux policiers. Les mecs, déjà, sans Batman, Gotham City serait à feu à sang. Leur seul but, c'est d'essayer d'arrêter Batman. Non, ils pensent pas aux criminels, on s'en fout. On veut attaquer Batman. Oh, Batman, là, oh, qu'est-ce que vous faites, là? Mais, je suis Batman, je dois sauver Gotham City. Double face, t'es en train de faire... Tu bouges pas, ou je te tire une balle dans la tête, ok? Tiens. Il y a un autre problème, hein. Comment ça se fait que les méchants, à peine rentrés, sortent de prison? Merci Batman. Au revoir, bon courage. Je crois que t'as de la chance, tu sais, aujourd'hui. Pour un prisonnier ramené, c'est un prisonnier sorti. Allez, va t'amuser! Va voir les putes! T'as pas un peu grossi, Spider-Man? T'as pas l'impression que tu t'es trompé de vidéo? Si t'as aimé, lève ton putain de pouce!